Ils rêvaient tous d'un autre tirage, mais finalement le sort en a décidé autrement. Le football club de Versailles rencontrera à l'extérieur en quart de finale de la Coupe de France l'autre petit pousset de la compétition, Bergerac. Deux clubs de National 2, chacun leader de sa poule en championnat et chacun déterminé à accéder au dernier carré. Au-delà de jouer Bergerac, on est surtout triste de ne pas recevoir pour notre public, quoi. Ça reste un match de coupe quand même, mais c'est surtout une place qui joue pour la demi-finale. Et on va tout donner, de toute façon, on se dit que tout est possible pour aller en demi-finale. Réunis lundi soir pour assister à l'annonce des prochaines affiches, les joueurs devront donc attendre encore un peu pour espérer affronter l'un des clubs de Ligue 1 encore en compétition, Marseille, Nantes ou encore Monaco. En attendant, le déplacement à Bergerac, vainqueur de Metz et Saint-Etienne au tour précédent, est loin d'être gagné d'avance. Ça nous laisse une chance de passer en demi-finale, même si c'est une équipe très sérieuse contre laquelle on va jouer chez eux, sur leur terrain, ça va être un peu compliqué, mais on va se donner les moyens de passer. La rencontre se jouera le 9 février à 18h30, mais quel que soit le résultat, il y aura bien un club de National 2 en demi-finale de Coupe de France cette année.